la terre. Autrefois, l'homme puisait dans son environnement les sources d'énergie primaires pour les transformer. Il transformait ces énergies primaires en énergie thermique, en énergie éolienne, en énergie mécanique. Bref, il produisait des énergies secondaires pour vivre mieux, tout simplement. De nos jours, l'homme continue à puiser les sources d'énergie primaire dans son environnement, mais il les transforme maintenant en une énergie secondaire absolument fantastique, en énergie électrique. Et l'électricité peut être, à son tour, convertie en toutes les énergies secondaires qu'on veut. En énergie mécanique, en énergie thermique, en énergie rayonnante. De l'électricité pour la radio, pour la télévision, pour l'ordinateur, et tellement d'appareils électriques encore. Mais comment l'homme s'y est-il pris pour créer cette énergie secondaire fantastique? Car figurez-vous qu'il n'existe pas de mine d'électricité. Alors il faut utiliser des sources d'énergie primaires. D'abord, on ira chercher de l'eau, du charbon, du pétrole raffiné ou de l'uranium. Pourquoi faire? Eh bien, pour ensuite transformer ces sources d'énergie primaires en énergie mécanique en faisant tourner des turbines. Ces turbines peuvent tourner grâce à l'énergie hydraulique d'une chute d'eau ou grâce à l'énergie éolienne du souffle du vent. Mais souvent, ces turbines sont activées par la force de la vapeur. En faisant brûler des sources d'énergie primaire, on fait chauffer de l'eau pour obtenir de la vapeur qui, elle, fera tourner les turbines. C'est tout? Non, mais attention, c'est un peu compliqué. Donc, les turbines tournent et font tourner un générateur. Ou plutôt, elles font tourner un rotor, c'est-à-dire un aimant. Un rotor qui tourne à l'intérieur d'un stator de cuivre, lui, immobile, pour créer un champ magnétique qui produit un courant électrique. Rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, champ magnétique et naissance du courant électrique. Transporté ensuite par des câbles à haute tension, puis par des petits câbles, jusqu'à nos maisons. Mais voilà, l'énergie électrique ne se stocke pas bien. Comme pour une bicyclette, si on arrête de pédaler, le vélo n'avance plus. Si on arrête de faire tourner les turbines d'une centrale électrique, les ampoules ne sont plus alimentées et elles s'éteignent. Il faut donc faire tourner les turbines en permanence pour alimenter tous nos appareils électriques. Rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator, rotor, stator. C'est ainsi que l'homme cherchera encore et toujours des énergies primaires pour alimenter ses turbines. Mais c'est pourquoi l'homme doit aussi bien réfléchir à ne pas gaspiller inutilement cette précieuse énergie secondaire devenue si indispensable. Saura-t-il faire les gestes intelligents pour continuer à vivre le mieux du monde sur notre belle planète, la Terre ?